Il réalise sa première pièce de théâtre à 14 ans. Il poursuit ses études à la Sorbonne, puis un diplôme à Columbia University à New York. Il bosse entre autres pour District Logic, une société qui bosse pour les grands studios, notamment DreamWorks, et il est consultant et script doctor. À cette époque, la société travaille sur de grands longs métrages comme Matrix et Le Seigneur des Anneaux. Il collabore enfin sur 17 longs métrages sortis en salle, et puis commence à réaliser des films d'entreprise et des courts métrages. Et finalement, il réalise son premier long métrage avec Jean Reno, distribué par Universal. Je parle bien de Cold Blood Legacy. One to One reçoit aujourd'hui le réalisateur et scénariste Frédéric Petitjean pour parler de comment réaliser un film pour un grand studio. Alors, bonjour Frédéric, comment ça va? Très bien, Elias, et toi? Super. Écoute, je suis vraiment super content de te recevoir aujourd'hui sur One to One. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Oui. Réellement, d'abord, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui sur One to One. Et voilà, parce que ton témoignage est très, très utile pour cette génération qui monte et qui a envie vraiment de réaliser des longs métrages, non seulement des films indépendants, mais aussi des films pour des grands studios. Donc, on va attaquer ça tout de suite. I don't know what I would have done if he hadn't found me. I'm not used to saving people. The slugs were made from a frozen polymer. Melts just after impact. Obviously a rookie. As a sniper for Elite Special Forces. What were you doing around here? I'm crossing the Rockies. Looking for her. No cell phone, no ID. She arrived in the US a month ago. You don't want anyone to find you, do you? She's gonna be dead in a couple of hours if she's not dead already. Who are you? I know what you do for a living. What has gone can no longer cause suffering. Wolf never forget the taste of blood. Alors, un petit brief sur comme ça sur ta carrière, sur comment ça a commencé tout ça et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Bon, tu as duré combien de temps ton émission En fait, je vais aller rapidement. J'ai fait des études en France et aux États-Unis et puis j'ai vécu assez tôt de l'écriture, en écrivant pour le théâtre, pour la musique, tout ça. Et puis, je me prenais extrêmement au sérieux. Alors, j'écrivais mal, je ne savais pas, tu vois. Je pensais que j'étais un bon auteur, j'étais jeune, assez arrogant. Et puis, à l'époque, quand j'étais à Los Angeles, j'ai fait une année à UCLA. Et j'ai une petite amie de l'époque qui a envoyé un texte, un concours, le Scriptwriters, le CASA, le King Arthur Screenwriters Award. Et ça a gagné le concours du meilleur synopsis, mais je ne l'ai pas su. Je me suis séparé de cette copine entre-temps. Donc, le prix et le papier pour arriver à la remise des prix est arrivé à un endroit où je n'habitais plus. Et en fait, je croise cette ancienne amie deux, trois mois plus tard. Elle me dit, tiens, t'as reçu ça. Et là, je reçois le fait que j'ai gagné un prix, mais la date est passée depuis longtemps. Donc, j'appelle, il y avait un numéro au téléphone et je tombe sur un Ron Bass. Et moi, je ne sais pas qui c'était Ron Bass à l'époque. C'était le président du jury à ce moment-là. Je te parle de ça il y a 25 ans, hein, tu vois. Et Ron Bass, c'est Redman, Volutionnaire Nifoufou. Enfin, c'est un scriptwriter incroyable. Et une sorte de dieu vivant là-bas. Et cette personne que je ne connais pas me donne rendez-vous
un jeudi chez Egg Fisher, qui était la boîte de Jodie Foster, ce que je ne savais pas. D'accord. Et j'y vais, et donc je résume, le mec me donne le prix, et je lui dis, je lui demande dans un mauvais anglais pourquoi il m'avait donné le prix. Et elle me dit, madame, je dois te dire que tu écris très très mal. Ah bon, okay. J'étais un peu vexé. Je lui dis, tu écris vraiment mal. Je dis, mais pourquoi vous l'avez donné alors? Elle me dit, parce que j'adore l'idée. Et je trouve ça m'a un peu jaloux, cette idée, j'aurais aimé la voir. Donc je voudrais te tester. Et il me dit, on était un mardi ou un jeudi, il me dit, tu te présentes lundi prochain, je te prends pendant un an, je ne te paye pas, tu te débrouilles. Donc moi, je vais voir ma directrice scolaire à UCLA. Je lui dis, je sais pas comment faire, j'ai cette personne qui m'a demandé. Et elle voit le nom. Elle me dit, mais t'es là, oui, je te signe ça tout de suite. Et tout. Est-ce qu'il peut venir faire une conférence à l'école et tout? Bon, et puis je suis allé. Et en fait, il m'a appris énormément de bases et il m'a mis en contact avec Jodie Foster, qui m'a prêté mon premier développement. Après, je suis rentré en France. Ce développement, il a été acheté par Claudie Ossard, qui était la productrice, entre autres, d'Amélie Poulain, d'Un long dimanche, neuf sur ça, et plein de films extrêmement géniaux. Et ça m'a mis tout de suite le pied à l'étrier. Et après, le premier film sorti... sur une idée originale en nom propre a marché tout de suite et voilà, alors ça passe, j'ai passé l'épisode des studios, je suis resté presque 8 ans, mais Ron Mass, il m'a permis avant que j'entre en France plus tard, cette entrée dans les studios, le fait de travailler pour DreamWorks, voilà, oui, c'était un vrai tremplin, mais c'était un tremplin parce que c'est quelqu'un qui m'a à un moment dit, bon voilà, t'as des bonnes idées mais tu ne sais pas comment les valoriser, comment faire qu'elles deviennent fortes tout le temps. Et moi, je pensais que bien écrire, c'est avoir une bonne idée. Donc, oui, tout à fait, absolument. Donc, c'est ça, on fait cette confusion-là quand on est au début, en fait. Ouais. Et donc, il a fallu que je désapprenne beaucoup de travail. Donc, il n'y avait aucune méthode très coordonnée, mais j'avais quelques idées arrêtées. Et que je réapprenne. C'est comme un sport de très haut niveau. Tu as un mec qui fait du sprint, il est bon. Puis après, on lui dit, voilà, tu veux vraiment être très bon, bah, je vais te réapprendre à courir. Donc, tu vas courir moins bien pendant un moment. Mais tout ce qui est mécanique deviendra automatique. Et tu n'auras plus qu'à penser au meilleur. Et c'est ce qu'il a fait avec moi. Toute la structure, le narratif est devenu automatique. Et après, j'ai plus qu'à penser vraiment à l'équilibre final. Donc voilà. Et après, j'ai fait. Donc je suis un des 3 nihilistes de Shrek, où là, je travaillais Caïn et Dieu. J'ai donné 57 idées originales. J'étais payé à la semaine chez DreamWorks, c'est très cher hein, la semaine. Hein, et quand au bout de 2 semaines, tu n'as pas une idée qui est gardée, bah, tu pars. Et moi, je suis arrêté 7 ans et demi, donc j'ai pu acheter ma maison grâce à ça. Mais je suis rentré en France parce que comme je n'étais pas référencé à la guilde, à la WGA, à la boîte de guilde américaine, je ne pouvais pas avoir mon nom générique. Et en plus, au moment où je l'ai été, il y a eu la grève des scénaristes. Donc, interdiction pour les studios de travailler avec des scénaristes étrangers. Hop, retour en France. Et... Bah, c'est super cette intro parce que ça nous permet déjà vraiment d'attaquer le sujet qui est effectivement de travailler pour un grand studio et de travailler avec des stars. Et donc, dans l'intro, donc j'ai expliqué que ton premier long métrage était donc Cold Blood Legacy avec Jean Reno, distribué par Universal. Alors, ma première question à ce niveau-là, comment ça se passe avec les stars? Et on a des jeunes qui vraiment rêvent de travailler avec des stars, avec des grands noms, des acteurs, mais aussi des producteurs, etc. Donc, il y a des stars producteurs, il y a des stars distributeurs, il y a des stars dans l'industrie, comme il y a des stars en tant qu'actrices et acteurs. Ça se passe comment? Alors, il n'y a pas de règle générale. C'est souvent
Par exemple, sur Cold Blood, il y avait deux vraiment grosses stars. Il y avait d'un côté David Gagey qui sortait de Interstellar, donc qui était vraiment un carton mondial et tout, et qui est venu. Oui, complètement. Qui est venu pour un cachet très modeste à l'autre bout du monde parce qu'il avait bien aimé la rencontre et le scénario. Et puis de l'autre, il y a Jean Reno où le travail s'est fait à très long terme. Il avait dit oui 2-3 ans avant. Le film avait failli se faire au Canada ou pas. Et où là, le rapport n'est pas du tout le même. Et en fait, la difficulté, c'est de tenir cet équilibre où, de légitimité, c'est-à-dire à partir du moment où les gens ont mis des millions de dollars sur toi, que ce soit ton premier, ton deuxième ou ton troisième film, et que tu as, et c'est très important ce que je vais dire, suffisamment travaillé, c'est-à-dire que tu sais de A à Z ton film, on peut te poser 1000 questions sur ton film, tu as la réponse, là tu es prêt. Et là, tu es prêt à. Il y a des stars, tu vois, par exemple, en ce moment, je travaille un peu avec Tom Hanks, c'est une simplicité folle. J'avais eu avec Etel avant de travailler avec Jean Reno et c'était très modeste. Et Jean, c'est une star très actuelle, connue dans le monde entier et qui a, je ne sais pas pourquoi, qui a des fois un peu ce. Qui a l'impression qu'il n'est pas valorisé comme acteur, alors que c'est un bon acteur, vraiment. Et qu'il a une carrière dont tout le monde rêve. Absolument. Voilà. Absolument. Et donc, il a toujours besoin de montrer que c'est lui le patron. Mais moi, ça, je m'en fiche. Donc, si on arrive sur un plateau en disant « je suis le chef », on n'a rien compris au cinéma. Quand tu réalises, tu ne décides pas de tout. Tu dis oui ou non à tout. Mais tu décides pas de tout. Et Alors, on va juste s'attarder un peu sur ce point parce qu'il est très très important parce qu'on pense généralement, surtout dans les films indépendants et aussi quand on fait un film de copains, etc. Quand on commence, qu'on décide de tout et c'est le réalisateur qui est le patron. Et ici, tu dis que c'est pas vraiment ça en fait. Non, parce que d'abord, avant d'arriver à tourner en soi, tu as tout un chemin de concessions pendant le financement, les écritures de scénarios, les castings, les allers-retours avec le distributeur, la production. Sur mon premier film, d'un côté, j'ai Universal et de l'autre, j'ai Paramount. Donc, si tu veux, j'ai deux énormes mastodontes du cinéma qui mettent, qui disent oui, un film indépendant. Un thriller qui est une forme d'où le poids et l'accès de la lenteur, enfin il y a plein d'éléments un peu nouveaux dedans donc il y a déjà énormément de concessions, donc il y a des choses qu'on veut que t'as pas et en fait le but c'est il y a un mot arabe que j'adore qui est le mektoub, c'est-à-dire mais c'est vrai, c'est-à-dire que bon voilà, ta situation c'est celle-là, comment tu fais au mieux avec ça. Non, surtout pas lui. Mais pour vous savez que c'est la première assistante, bon voilà. Mais il y a vraiment, tu dis bon, ok, t'as ça, et il faut prendre ça comme pas frustrant, mais toujours une chance de faire. Et en fait, c'est là que tu fais les meilleures trouvailles. Les plus beaux films des réals qu'on connaît ont souvent été ceux qui ont été faits avec le moins de moyens. Parce que là, il faut faire travailler l'équipe, ton imagination. Et après, quand tu es sur le plateau, et ta préparation, surtout, pour moi, c'est là que ça se joue, tu as toutes tes chaînes de poste, décor, costume, lumière, son, machinaux, ce que tu veux. Voilà. Et en fait, tu as des propositions, tu as des choix à faire. Et en fait, il faut. Tu donnes les choix, tu sais déjà sur le plateau, il peut y avoir encore d'autres choix qui sont dus aux imprévus. Donc, en fait, il ne faut jamais se fixer à l'éternel sur quelque chose. Voilà, tu peux avoir préparé pour 2 jours un truc. Si tu as une tempête, et ça nous est arrivé, tu fais foi. J'aurais pas une journée de plus à moins 28, à 1800 mètres d'altitude. Donc, tu fais foi avec les 4 heures que tu as, ou tu ne peux pas faire la scène d'avant. Donc, il faut vraiment, vraiment être prêt à ça. Donc, non, tu ne décides pas de tout. Et tu dois être, par contre, à l'écoute de tout.
un des acteurs de tes chefs de poste. Tu vois, tu peux avoir beau travailler ton cadre au storyboard, avoir essayé, on répète et tout. Et puis, à un moment, la lumière, le cadre naturel, généralement, des fois, la lumière qui change va t'amener à un autre point de vue et tu vas reculer d'un mètre ta caméra et ça va tout changer. Alors que pendant, t'as embêté tout le monde sur le fait que ce cadre-là, c'était le bon. Bon, il faut être ouvert à ça, mais pour être ouvert, il faut savoir ce que tu veux. Comme ça, tu ne doutes pas. Alors, moi, je vais reprendre un mot qui n'est pas de moi, qui est de Spielberg, et j'adore, il me dit, bah, quand tu ne sais pas, tu sais. C'est-à-dire, il y a un moment, tu ne peux pas... Ça, c'est vraiment un des poids. Et je te dirais ce que m'a dit Thierry Armoyas, le chef opérateur du film, qui est vraiment un des top 5 mondiaux des chefs opérateurs. Tu ne peux pas laisser le doute s'installer dans ton équipe. Ils ont toujours besoin de sentir que tu sais les choses, que toi, tu peux montrer le cap, là où on va. Là, c'est là-bas qu'on va. Donc, vous pouvez aller tous dans cette direction sans réfléchir. Et quand tu as un doute, c'est là, c'est à ce moment-là, tu es sur la brèche, tu dois prendre une décision. Mais à ce moment-là, tu n'as pas le temps de réflexion. Et pour pouvoir te permettre ça, de faire donc un choix, pas à l'aveugle, mais un choix immédiat, quand tu dois, ça, tu peux le faire quand tu as préparé 1000 fois ton film. Quand tu as envisagé tous les trucs. Quand pour une scène, tu as imaginé. C'est pas parce que tu as l'idée que le plan il est bien tout de suite qu'il faut pas imaginer d'autres plans que tu ne feras pas. Généralement, je fais entre 4, 6, 7 prises maximum sur un tournage et sur un plan, une scène. Et en fait, des fois, je me dis, oh, bah, le plan de départ, c'est celui-là. Mais même si je sais que c'est celui-là, je me force à penser que c'est pas le bon et je vais en prendre 2, 3, 4. Et je vais essayer toujours de me convaincre que l'autre va être mieux. D'abord, ça m'oblige à me remettre en question dans la préparation. Alors, j'ai cette image en tête depuis des mois. Tant pis, je vais essayer de trouver un autre point de vue. Et si j'ai un problème sur le plateau, hop, je vais aller ailleurs. Je vais prendre une décision. Donc, c'est une sorte de fausse spontanéité, mais tu as une spontanéité qui est autorisée parce que tu as travaillé en amont. Un film, tu le réussis à la prépa, pas au tournage, à la préparation. Bah, oui, c'est la manière, c'est la partie, moi, je trouve la plus agréable. Le tournage, c'est un, il faut le faire. Tu vois, il y a un élément, tu es au marché, tu prends ce qu'on te donne, les comédiens font telle proposition, le chef op a une idée sur la main. On fait des propositions. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Parce que tu as un truc en tête. Mais la prépa, tu construis ça. La prépa, c'est des moments où tu peux chercher. Où tu as le temps de chercher. Au moment, si tu te mets à chercher pendant la réal, où tu as un budget d'un milliard, mais, et tu n'as pas des producteurs dingues derrière toi, qui ont raison d'être dingues à ce moment-là. Voilà, mais et à la limite, cette pression, elle n'est pas désagréable, je trouve. Elle t'oblige à être le dos au mur et un truc qui ne me dérange pas. Alors, je vais donner 3 exemples différents. Le premier, je vais donner celui de David Yezi. Je vais donner celui de Samantha Bond, qui est quand même la Money Penny d'une quinzaine de James Bond, Royal Shakespeare Company, tout, vraiment la grosse actrice anglaise, et de Jean Reno. David Yezi, le premier, il y avait une scène à la fin entre lui et Sarah Lynn, l'actrice, où je devais sceller la relation entre les deux. Et crois-moi, pendant 2 ans, où j'ai réécrit le script, je ne trouvais pas cette phrase. Je la trouvais pas. Je faisais des pavés, j'avais pas envie de pavés. Je voulais 2-3 mots très secs, je ne trouvais pas. Et on commence le tournage, et je vois, David, il était un peu inquiet, et on avait beaucoup parlé de son personnage et de la manière. Je lui dis, écoute,
Voilà, je te montre le texte que tu avais avant et je te montre le texte que tu as maintenant. On passe de 250 mots à 79. Là, rien. Parce que j'ai envie que ce soit ton corps qui joue. Donc moi, je m'adresse à ton corps, à ton regard, je ne m'adresse pas à tes mots. Là, un, il m'apporte une voix hyper basse d'un mec hyper posé. Pas du tout le mec qui cherche en stress. Et puis, je leur ai dit, Sarah et David, je leur ai dit au début du film, voilà, il y a une phrase qui aura lieu dans la voiture pendant une scène, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas, mais je vais la voir. Faites-moi confiance, je vais la voir. Je l'ai trouvée la veille. Et cette phrase, c'était « Je préférais qu'on était gosse. Je préférais qu'on était enfant. » En une phrase, tu comprends qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Juste sur une phrase. Je leur ai dit le matin, David, il avait les larmes aux yeux comme ça. Ça a emmené leur jeu. Mais je me suis fait conscience. Et à un moment, je me dis, OK, tu ne trouves pas parce que tu es dedans tout le temps. Laisse le film commencer, ça va venir. Au pire, tu en choisiras une dans le texte énorme que tu avais prévu. Bon. Et elle est venue, en fait. À partir du moment où je n'y pensais plus. Ça, c'était la maison de Jean et David. Samantha, elle avait un rôle, elle a la scène centrale du film où d'un seul coup, le spectateur bascule de « je n'ai pas l'information » à « j'ai l'information ». Et le film part sur une autre énergie. Mais son personnage a Alzheimer, elle est dans une clinique depuis 10 ans, et elle perd la mémoire au bout de 10 minutes. Bon, et j'avais demandé à mes productrices lui envoyer une partie du scénario, pas la totalité, pas après… Juste de résumer l'histoire, comme ça. J'ai dit, écoutez, je veux pas lui parler, mais on va pas lui dire, je veux pas lui parler. On va lui dire, on va faire en sorte que je rate tel rendez-vous, telle réunion et tout. Donc, on a trois réunions et un, j'arrive en retard. Deux, je fais en sorte que le son ne marche pas, mais je vais nouer le truc. Et trois, les producteurs remettent à la place. Donc, et je dis aux productrices, je dis, vous prenez un avion pour Samantha la veille de sa scène, la veille du tournage et le dernier avion du soir. Donc, on tourne en Ukraine. Elle arrive à Kiev, elle a atterri à Kiev à 21h. Elle arrive à l'hôtel à 22h. Elle est stressée comme personne. Et moi, je suis avec Jean Reno, Nazine, Sarah, tout le monde, Tom, tout, avec John. Et puis, elle arrive, elle est en stress, elle a les valises et tout, tu vois. Et elle me dit, Frédéric, tout ça en anglais. Elle me dit, Frédéric, il faut qu'on parle. On n'a pas parlé de l'histoire, on n'a pas parlé de ma scène. Et je lui dis, mais Samantha, vous oubliez tout au bout de 10 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle me regarde, elle se recule, elle fait « brilliant ». Et le lendemain, elle a été exceptionnelle. Oh. Wow. Et depuis, on a des super retours. Et après, je vais te passer, je vais terminer sur Jean Reno. Et sur un moment qui a été difficile, mais avec du recul, je sentais qu'il était tendu sur le tournage. Il a toujours, je l'ai su avec d'autres réalisateurs et on en a parlé ensemble après d'ailleurs. Il a toujours un moment de tension parce qu'il doute beaucoup. Et il me connaissait comme auteur, il ne me connaissait pas comme réal, même si j'avais même pris à Cannes avant pour un court métrage. Il vient, je dis à l'équipe technique, je fais. On commençait les studios, on dit « je pense que ça va péter à un moment ou à un autre ». Donc, quoi qu'il arrive, on ne bouge pas de son poste et on continue comme génie. Sauf que quand je dis « action », vous ne faites pas tourner le moteur, sauf si je lève la main. Bon, le lendemain, ça n'a pas tendu 2-3 jours, le lendemain matin, il arrive sur le plateau en furie et il me fait « Fred, tu sais pas ce que tu veux, t'es pas bon, t'es pas à Montréal, t'es pas à mon machin. » Et moi, il hurle, on est en studio, il y a les producteurs de l'autre côté, il y a les acteurs, il y a toute l'équipe, tout le monde entend. Et moi, je me dis, et je t'assure, ça s'est passé comme ça dans ma tête, je me dis,
Écoute, génial. J'ai jamais vécu ça. Donc, je vais apprendre. Je vais l'écouter. Et là, je lui dis très calmement, je t'écoute. Dis-moi ce que tu as à me dire. Au lieu de rentrer dans la bataille d'ego, dans je vais gueuler plus fort que toi. Et il a terminé. Et je lui dis, j'entends. Ça l'a un peu déstabilisé. Il est reparti. Le premier assistant, il est parti derrière lui. Je lui dis, non, tu le laisses tout seul. Nous, on continue. Je suis allé voir Sarah, qui était blanche comme une aspirine. Et il me dit, non, on continue, on met la mise en place et tout. Jean est revenu 5 minutes après. Il s'est excusé. Il a dit... il fallait que ça sorte. Je dis, mais j'ai entendu Jean. Sauf qu'on en parlera à la fin du tournage ce soir. Et là, on travaille, on a un truc à faire. Il s'est installé. J'ai levé le bras qui a la 11e prise. D'abord, il était encore dans l'élément. Deux, il avait besoin de comprendre que celui qui dirigeait sur le plateau, c'était moi. Mais pas en force. Et il a été exceptionnel. Il a inventé un geste qui n'était pas prévu, qui change beaucoup de choses à la scène et tout. Et le soir, on a bouffé ensemble. Alors, il s'est excusé à nouveau. Je dis, mais non, d'abord, donne-moi des détails, ce qui ne plaît pas et tout. On a encore des jours à tourner. Moi, j'ai plus à apprendre de toi, peut-être que le contraire, tu vois. Et je le pensais. En fait. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui fonctionne, c'est la sincérité. Je suis arrivé à convaincre des financiers, à convaincre des producteurs, à convaincre des auteurs, des acteurs, à convaincre des techniciens et à avoir leur adhésion. Tu vois, un jour, les producteurs m'ont dit, bon, quel chef-op tu veux? Et moi, d'entrée, je dis David, Thierry Armodias, je dis, ouais, mais attends, laisse tomber, c'est Maison, c'est machin, il est hyper cher, je fais, mais le nom, on l'a déjà, donc on va lui demander. Donc, j'arrive à avoir le numéro de Thierry, et il dit, oui, allô, il est en préparation en Russie pour Maison. Je lui envoie le scénario, je lui explique. Il lit le scénario, il m'appelle un mois après en disant « J'adore, je viens. » Et je dis « Mais c'est payé très mal. »« Non, mais je viens. » Bon, ben voilà. Je peux dire, sur le plateau, ils ont vécu un enfer. Hein. Mais parce que c'est un mec qui dirige comme personne les techniciens. Mais voilà, et moi, j'ai appris vachement. Grâce à lui, j'ai rencontré Julien Bachelet, qui était un directif de génie sur le plateau et qui est devenu mon chef-op sur les premières pubs que j'ai fait, le court-métrage et autres, et qui va l'être sur mon prochain long. Et si tu veux, voilà. Donc la manière de gérer, elle n'est jamais la même. Je dis le but, si on t'a fait confiance, il faut avoir confiance en toi. Et la confiance en soi, elle vient sur la légitimité du travail que tu as fait avant. Par contre, si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas assez bossé, un acteur, il va trouver la faille. Il va se mettre dedans. Parce qu'il se met tellement à nu devant toi qu'il a besoin que toi, tu le protèges. Le protéger par ta qualité, par tes idées, par ta créativité. Et donc, il te met d'une manière ou d'une autre, ou très doucement, ou très violemment, ou dans l'émotion ou pas, il te met à l'épreuve. Mais ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que tu es prêt. Ça veut dire que tu es prêt. Je vais donner un autre élément. Le premier cours, je fais un cours de 11 minutes qui est une comédie sur le suicide. Voilà, le truc... Bonjour. Bon, et pour te donner la tonalité du film, la première phase, c'était si jamais tu sautes du haut d'un toit et que ta vie se met à défiler, c'est pas bon signe. Mais si ça, elle s'arrête avant la fin, c'est que tu n'as pas sauté d'assez haut. Donc, tu vois, la tonalité du film, c'est ça. Et ouais. J'ai 3 acteurs vendissimes en France qui disent oui sur le texte. Et à ce moment-là, même si j'ai travaillé pendant 10 ans dans les effets spéciaux, même si j'ai fait plein de making-of aux États-Unis, même si j'ai terminé les tournages plein de fois d'un film pour qui j'avais été le scénariste et tout, à ce moment-là, je suis encore scénariste et je suis pas encore réal. Et je vais devenir réal sur un élément.
la meilleure scène du film, celle qui est écrite la plus génialement, où les trois mecs parlent des différents dieux entre eux. Avec, par exemple, Bouddha, ça va être sympa parce que avoir une entité obèse, ça doit pas être trop mauvais. Donc, tu vois, il y avait, ça parlait de tout, hein, d'Allah, de Jésus, de ce que tu veux. Et le texte était vraiment dément, les acteurs, ils avaient adoré. Et au moment où je tourne la scène, je me dis, mais cette scène, elle a rien à faire dans le film. Elle est géniale. Il la joue génialement. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, quoi ? Je ne l'ai même pas monté. Je ne l'ai même pas dérushé. Et là, tu sais que c'est fini. Tu as basculé de l'autre côté. Et ça, c'est... Enfin, j'étais... À un moment, j'étais voir les acteurs et Michel Villarmos, qui est à la Comédie française, pour qui je suis en train d'écrire une série en ce moment. Il me dit, on fait une prise, deux prises. Il me dit, comment tu veux qu'on la joue ? Et je la regarde, je fais, je veux plus qu'on la joue. Et il me regarde tous les trois et il me dit, pourquoi ? Parce que je l'adore, mais ce n'est pas le film. Et je te jure, la relation aux trois acteurs, elle a changé à cette seconde-là. Bien sûr. Et toi, tu sais ça, tu écris assez moyennement, tu tournes moyennement, tu as, quand tu écris tes auteurs, tu tournes tes réals. Oui, tout à fait. Et tu ne peux pas faire la place aux deux en même temps. Et ça, c'est une. C'est une les acteurs, quand ils viennent, qui savent que tu es scénariste et que tu es réalisateur, et mon meilleur exemple, c'est Oliver Stone pour ça, tu vois, et qui était vraiment un scénariste brillant et qui est devenu un réal brillant. Tu vois, donc, bon, le type, pendant 20 ans, il m'a dirigé les studios un peu, tu vois, et il le faisait déjà en tant que scénariste, quoi. Et c'est intéressant, il avait fait une conférence là-dessus et moi, ça, ce qu'il a dit, je me dis, ouais, mais bon, le texte. Non, le texte, c'est le texte, quand tu l'écris. Après, quand tu te. Absolument. C'est l'image, l'acteur, le jeu. L'image, l'acteur, le jeu, voilà. Alors, c'est différent. D'abord, t'as avant que le film soit signé, où là, tu écris, tu présentes, tu fais différents rendez-vous, tu essaies de convaincre. Ou d'abord, tu t'es, avant d'avoir un oui, tu as eu 2000 noms, d'accord ? Et être producteur ou même réal, c'est d'abord gérer le nom et pas se décourager avec ça, hein, never give up. Et après ça, tu as la préparation, le budget qui n'est jamais celui que tu as prévu, évidemment. Donc, les sacrifices que tu dois faire. Et des fois, les engueulades que tu dois faire, gérer les difficultés entre les différents coproducteurs quand il y en a. Et moi, j'en ai eu. Où tu en as un qui te dit 3 semaines ou 1 mois avant que tu démarres, « Ah, j'arrête tout, je m'en vais du film. » Et là, le truc s'arrête. Donc, des fois, c'est une pression de relation. Et puis, tu as le tournage. Tu as des gens qui viennent sur le tournage, qui donnent, d'autres qui trouvent, c'est super. Puis, tu as le montage. Et là, évidemment, personne n'est d'accord. Et je me souviens d'une anecdote absolument démente. Au départ, il y avait un monteur avec qui je voulais tourner. Et il y a un des producteurs qui a oublié de l'appeler. Et on m'a collé un monteur ukrainien qui parlait mal anglais, qui n'aimait pas mon scénario et à qui je n'ai jamais voulu travailler. On s'était vu bien avant la prépa et tous les deux, on s'était dit qu'on ne s'aimait pas. Donc, tu veux... C'est clair. Et ils me disent, bon, tu vas aller en Ukraine faire le premier l'ours
Et on te donne 3 jours pour ça. Et donc, j'ai 3 jours pour sortir en gros 1h50 de film. Et en fait, j'ai même pas 3 jours, j'ai 3 demi-journées parce que le mec n'était pas dispo tout le temps. Oh. Je me sors de ça assez miraculeusement. Le mec n'écoute pas toujours ce que je lui demande. Bon. Et je reviens à Paris, et il y a mes producteurs français, ils voient les 1h45, et je leur dis, là-dedans, on a le film. Et eux sont très inquiets. Et mes producteurs locaux, c'était leur premier film aussi. Et là, ils me font moins confiance. Sauf que je sors ça en 3 demi-journées, au lieu de 3 semaines. Pour moi, ils auraient dû être impressionnés. Ils n'étaient pas, et ils ne me l'ont pas dit. Donc, ils vont superviser, sans me le dire, le vrai montage que je vais monter avec le monteur que j'avais demandé et qui va être un autre montage. Et à ce moment-là, à un moment, Universal leur met une pression de dingue qu'ils n'ont eu aucune image, et ils demandent, alors qu'on est en pleine recherche avec mon monteur, c'est un moment où, c'est comme dans l'écriture, c'est un moment où tu fais des mauvais choix, tu reviens en arrière, on est en pleine recherche à un moment, et avec Antoine, et là, une des productrices s'appelle pour envoyez-nous ce que vous avez, qu'on envoie Universal. Et moi, je ne suis pas au courant. Et elle fait jurer au monteur de ne pas le dire. Et le truc en montage est envoyé. Universal déteste. Il dit, OK, on arrête tout, machin. On veut voir. On fait une diffusion dans 15 jours de d'un montage avec toute l'équipe d'Universal. Et là, je reçois un coup de téléphone des producteurs qui disent, Universal n'aime pas du tout. Je dis, comment ça, ils n'aiment pas, ils n'ont pas vu. On leur a envoyé. Et là, je pète un plomb. Et là, on change de salle avec Antoine, de montage, dans un énorme mois de prod. On ne dit pas où on est. Et je ne donne pas l'accès au film au producteur pendant 15 jours. J'ai 50 appels par jour en SMS. Comment ça se fait? On n'arrive pas à le joindre. T'en es où? Et j'en vois simplement un. Ne vous inquiétez pas. On se voit dans 15 jours. Ils sont dingues. Je reçois une lettre d'avocat. Tu vois, machin, ça c'est la pression, tu vois, comme ça à monter le film. 15 jours, j'envoie la copie du montage, une heure ou deux heures, chez Universal, rue François 1er, une heure avant, dans la salle Universal, une heure avant qu'on ait le rendez-vous. On se voit, producteur et moi, on se voit au café avant. Évidemment, ils se mettent à gueuler. Je leur dis, écoutez, il y a certainement des gens d'Universal ici. On s'engueulera après. On verra ce qu'ils vont dire. On va dans la salle. Il y a un de mes producteurs qui prenait des notes pendant le film. À un moment, je tape sur l'épaule. Je dis, mais tu vois le message que tu envoies là-haut? Universal, ils étaient 7 au dernier rang de la salle de projo. Pas un mot. Le film se déroule, terminé. Les 7, ils se lèvent, ils se mettent à applaudir. Oh. Bon, alors que 15 jours avant, c'est on ne sort pas le film, on s'en fout. Tu vois, c'était ça. Et là, tu reprends. Et des fois, tu joues ton caleçon, quoi, tu vois. Avec du recul, je les comprends. C'est aussi leur première expérience de coproducteur. Donc, ils ont des doutes et tout, légitimes, tu vois. Et on en a reparlé après. Moi, je leur ai reproché longtemps ça, un peu connement. Et après, ils ont dit, oui, on n'aurait pas dû le faire, très bien. Puis un jour, j'en entends une qui me dit, bon, en tant que producteur, j'ai appris qu'on ne doit pas lâcher d'une semelle pour le montage. Puis, putain, mais elle a pas entendu, quoi. Bon, mais je ne suis pas devenu scénariste en un scénario. Hein. Tu vois, tu ne vas pas en un film. Oui. Peut-être qu'en tant que producteur, j'aurais fait moins bien qu'elle ou eux. Tu vois. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, quelles étaient les décisions, le film est sorti et elles ont autant leur part que j'ai ma part.
jamais, jamais en direct. À l'époque, la patronne d'Universal France, c'est une femme géniale, qui s'appelle Aurélie Allamp, qui était amie avec une des deux coproductrices. Et les deux coproductrices sont cousines. Donc, tu vois, j'ai affaire à la famille quand je dois me battre avec elles, mais je les adore. Hein, mais bon, voilà. Et là-dessus, j'ai jamais eu de lien direct. Elles ont, je reçois les informations via mes producteurs. Le groupe, et en fait, tu t'aperçois que même au sein d'Universal, la présidente France ou Europe, elle défend ou elle se bat contre Universal Worldwide pour garder ton film le plus intact possible. Elle remet la pression à mes productrices qui aiment mettre la pression à leur tour en disant voilà, il y a Universal ou quoi que ce soit. C'est un peu comme ça que ça se passe. Tu les vois jamais. Après, tu les vois à la première, à l'avant-première, à la, des fois au truc équipe. Et puis, si tu fais des festivals ou des interviews, éventuellement. Mais voilà, après, on a eu la chance que le film marche dans le monde entier. Et Aurélie, la patronne Universal, voilà, elle a pris sa revanche. Et les autres, ils la moquaient un peu en disant, bon, bravo, ça marche. Quoi. Voilà. Non. Et heureusement, au même titre que pendant le tournage, la post-production, tu sais, elle est déjà, tu es sur le plateau, tu tournes, et tu as le fond mot, tu peux revoir les images. Moi, j'attends aux acteurs d'aller regarder le fond mot. Hein. D'abord, parce que tu perds 5 minutes à chaque plan. Donc, 5 minutes à chaque plan, c'est une demi-heure à la fin, une heure à la fin de la journée, et tu as loupé. Tu te mets en retard sur ton plan de tournage. Et deuxièmement, un acteur, quand il regarde le combo, il ne regarde pas la scène, il se regarde pour voir s'il est bien. Oui. Moi, j'amène pas les acteurs à la post-production. Ils ont travaillé, d'abord, ils sont loin. À ce moment-là, ils sont déjà dans d'autres films et tout ça, tu vois. C'est du temps et tout, et ils vont découvrir le film comme les spectateurs, et généralement, c'est un an, même des fois deux ans plus tard. Donc, il y a une vraie surprise comme acteur de voir ton film, tu vois, ou une mauvaise surprise, mais en tout cas, il y a un recul par rapport à ça. Donc, non. Alors, tu les croises au doublage, au mixage. Moi, il se trouve que j'ai fait une journée de tournage à New York avec Jean Reno, qui était quand même presque trois mois après les images qu'on avait tournées en février. Ouais, il habitait à New York, on a tourné à New York, c'est une partie du film qui se passe à New York, et il a été merveilleux. Il a été doux, compréhensif, il est très arrangeant, parce que sa période de doute ou ce qu'il avait à dire, il l'avait dit. Voilà, et ça m'aide à s'exprimer. Et ça a été merveilleux. Et puis après, à chaque anniversaire, il envoie un message, on correspond de temps en temps. Voilà. On a travaillé. C'est bien. Parce qu'il y a certains acteurs, on entend dire qu'ils interviennent au niveau de la prod, ou peut-être même qu'ils exigent, au niveau de leur contrat déjà, d'avoir accès au combo. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, c'est une discussion. C'est-à-dire, si dans le contrat, il demande ça, ça veut dire qu'on va avoir un échange ensemble par rapport à ça. Et tant qu'on peut discuter, moi, les choses me vont. S'il me dit, par exemple, je vais avoir une crise cardiaque, je vais pas en promo, bah, va voir le promo, tu vois, pas de problème. Mais à la limite, je vais t'en préparer un pour toi. Il y a quelques actrices américaines qui demandent ça. Bon. Quand tu as des exigences d'une grosse star, tu vois, tu dois t'y plier. Moi, j'ai un ami qui a tourné avec Bruce Willis, il devait tourner 18 heures. Bruce Willis a dit, OK, on fera deux jours de 9 heures, comme ça, je ne reste pas longtemps à l'étranger. Puis il appelle un mois avant, il lui dit, il était payé 1 million de dollars par jour, donc 2 millions de dollars en deux jours pour 18 heures. Et il lui dit, il appelle le Réal un mois avant, et il dit, écoute, ça ne dérange pas si on fait 18 heures de suite. Bon, et il l'a fait.
En fait, il n'a pas le choix. Il l'a fait. Bruce Willis a été extrêmement professionnel. Il a été aussi énergique à la 18e heure qu'à la première. Et à la 19e heure, il était dans l'avion, tu vois, avec son chèque de 2 millions de dollars. Bon, voilà. Après, il y a des acteurs que tu vas voir par conviction, parce que tu leur apportes l'histoire et tu dis, voilà, l'histoire, c'est toi. Ou alors, je l'ai écrit pour toi. Ou même, tu vas le voir avant l'écriture et tu dis, voilà, est-ce que cette histoire, tu l'aimes? Oui, non, oui. Alors, je vais l'écrire maintenant, mais pour toi. Et l'engagement, il est tellement en amont, artistiquement, que tu n'as pas cette exigence-là derrière. Donc, je dis, ça dépend toujours du contexte. La première, c'est de ne pas se décourager. La deuxième, c'est de se faire confiance. C'est la seule manière de la donner. Et si tu veux, quand tu commences ou que tu as affaire à des gros studios, il faut se dire que dans tous les secteurs, artistiques, financiers, comme techniques, tout le monde n'est pas ultra compétent. C'est-à-dire... on ne tombe pas que sur des gens brillants, on ne l'est pas forcément soi-même tout le temps, toutes les décisions à prendre ou qu'on t'impose ne vont pas des fois servir toujours le film, mais l'intérêt politique d'un ou financier de l'autre. Et donc, tu dois jongler avec ça. Donc, il faut être très, très open mind. Vraiment, il faut être très, très ouvert d'esprit et ne jamais se fermer à ne se mettre dans un entonnoir ou une impasse, c'est-à-dire ne pas jouer sa vie sur une décision. Il faut faire des concessions. Et des fois, moi, je me souviens, et là, pour avoir travaillé des studios, je me souviens, par exemple, quand j'étais scénariste pour les studios, avant d'être réal, putain, des fois, j'étais sûr d'avoir écrit Bah écoute, moi j'ai le plaisir de travailler avec toi et j'espère que ce n'est pas fini. C'est un plaisir d'échanger avec toi parce que ça permet de formuler des choses qu'on ne dit pas en fait. Qu'on vit, qu'on sait, mais qu'on ne dit pas, qu'on ne raconte pas. Et moi je suis arrivé à faire mon métier parce qu'on m'a transmis mon métier. Et là, ce que tu es en train de faire là, c'est hyper important, c'est fondamental de transmettre l'expérience pour que les gens apprennent. Voilà, et pour moi, c'est une chance de pouvoir répondre à tes questions, tu vois. Au revoir, Agnès.